La presse parlée, écrite et télévisée. Merci pour votre participation. Nous pour nous couvrir l'événement, médias en ligne également, pour nous couvrir l'événement. Comme nous connaissons son personnage, son figure publique, qui dédie vive depuis un bout de temps aux choses publiques, donc pas de secret dans la vie, un homme politique. Ok? Donc, je suis à la fois un homme politique, un homme d'affaires. Okay? Donc, suite avec rapport ULCC sorti, plusieurs rapports, dont Yon qui est indexé, ancien député de Kestoff, Alfredo Antoine, m'a été jugé nécessaire pour que moi invite la presse pour me faire un point de vue sur rapport. D'entre nous, je m'ai dit que ULCC, c'est Yon. Institution démocratique que l'IE, qui l'a pour combattre la corruption. Pour moi qui avais mené campagne dans les sections communales, je comprends souffrance population. Donc, moi, c'est le dernier monde qui a pour participer dans des actes de corruption. Mais, ma passé avocat, M. Sodès, c'est lui qui prend parler de l'accord, de l'aspect légal. Et ensuite, m'a fini. Pour me faire un point de vue sur la position politique, pas qu'il n'y ait aucun monde qui est capable de faire quitter le pays, courir Bali sous base pour qu'il y ait le pouvoir. Merci, honorables députés qui ont répondu à cette invitation. Donc, l'essentiel pour nous ce matin, c'était justement pour rétablir la crédibilité des faits, c'est-à-dire donner une autre version des faits. C'est-à-dire celle qui est rapportée et dans les rapports qui a été publié par l'ULCC et dire aussi quel est le droit applicable dans de telles circonstances. Le député Alfredo a expliqué dans son exposé, mais je voudrais aussi établir ici quatre vérités fondamentales. Premièrement, si le député Alfredo avait vendu la propriété à l'ONA et après toutes les vérifications des documents, l'ONA comme institution qui avait fait l'acquisition l'avait acheté, donc cela sous-entend que la propriété appartenait effectivement au député Alfredo. C'est la première vérité à établir. La deuxième vérité est que la propriété qui fait l'objet de la vente, donc c'est un terrain, c'est une propriété qui fait l'objet de la vente. Comment vendre une propriété peut être considérée comme un crime? Alors on a constaté que dans la recommandation des ULCC, elle demande à l'ONA de prendre possession de ce bien. Donc en aucun cas, donc ce bien, c'est-à-dire l'objet de la vente, ne peut être en aucun cas assimilé à un crime. La propriété qui est l'objet de la vente, première question qu'a posée Tato, est-ce qu'elle lit illicite. Par exemple, ou même qui est journaliste, qui l'a peut-être qui n'a pas compris le langage juridique, elle me dit, est-ce que la propriété est-elle illicite? Par exemple, vous connaissez que, vous savez très bien que moi, que la vente de la drogue donc, est déclarée comme illicite. Parce qu'on ne peut pas apparaître là pour dire au monde comme ça qu'on va vendre une drogue. Parce que l'objet de la vente, elle est illicite. Donc, on ne peut pas comparer propriété avec drogue là, parce que ça, le drogue là, à la base, c'est son crime. Donc, propriété, on ne peut pas considérer que propriété, c'est son crime. Donc, différent de la drogue, par exemple, drogue là, on déclare illicite, donc on ne peut pas faire le commerce de la drogue. Parce que l'objet de la vente, elle lui-même,
est illicite. Donc, sinon que la propriété n'est pas illicite, donc ce n'est pas un crime. Donc, il n'y a pas de crime proprement dit à la base de cette transaction. Donc, si la vente est réputée licite, donc l'argent qui en résulte ne peut être déclaré comme produit du crime. Ça veut dire comment ou ka dit vente là l'argent que mon li gagne à partir de la vente là. Donc ou pas ka dire considérer comme l'objet du crime parce que à la base de la vente donc il n'y avait pas de crime. Donc l'argent qui en résulte de la vente ne peut être en aucun cas déclaré comme le produit du crime. Autrement dit, donc ces projets, ces produits du crime non et bois blanchi. Troisième vérité, c'est que déclarer l'argent qui provient d'une vente dont toutes les conditions exigées par la loi ont été respectées, donc ça équivaut à quoi? C'est dire n'importe quoi. C'est-à-dire, si me vendent un bien, ça veut dire que le bien appartient à moi-même, disposer de lui-même. Donc, l'argent me vend bien, on va disposer de l'argent comme bon me semble. On va disposer de ménage, on va disposer de madame, on va disposer de zamim, on va aussi des transactions que j'ai ou bien des gens que j'ai doué, on va décider de faire comme ça. J'en voulais parce que comme là c'est pour me lier, donc c'est les produits de ma vente, c'est vente qui me fait et je peux disposer de mon argent comme bon me semble. C'était ça la troisième vérité. La quatrième vérité, c'est que dans les rapports des ULCC, il n'a révélé aucune surfacturation. C'est-à-dire, il aime parler de surfacturation, c'est-à-dire, il a évalué bien. Ça veut dire si terrain a été vaut $50,000 et puis on met $150,000. Donc il y a surfacturation, ça veut dire surévalué bien. Maintenant, pour une surfacturation, il faut qu'il y ait d'abord entente entre l'acheteur et les vendeurs. Auquel cas, on doit dire bon association criminelle. C'est-à-dire les deux, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, ils se sont entendus. Donc, pour réaliser une opération frauduleuse au détriment de l'intérêt général. Pour qui ça me parle de détriment de l'intérêt général là? Parce que l'ONA, c'est une institution publique. C'est comme si vendeur avec acheteur, ils mettaient tout ensemble, ils détournaient l'argent. Or, dans les rapports des ULCC, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas souligné qu'il y avait surfacturation. Et l'autre vérité pour connaître, c'est que il y a une offre qui était faite. Député Alfredo font une offre. L'ONA répond à l'offre. Ça veut dire qu'il y a l'offre, il y a l'achat, il y a la chose qui est la propriété et il y a le prix. Donc ces quatre conditions ont été réunies. Donc c'est-à-dire que la vente était légale. Donc pas de surfacturation, pas de entente qui était faite entre les députés Alfredo et l'ONA qui s'est accueilli là, qui vient d'en bien, pour réaliser une transaction frauduleuse au détriment de l'intérêt général. Autre vérité à déclarer, donc s'il n'y avait pas entente qui était faite sous bien, par exemple, les gains sur facturation, ou après, gain des moins et puis il y a pas l'argent. Si me font offre, me dit bien maintenant, il coûte $150,000. À partir des rapports techniques, il faut souligner, il y avait un rapport technique qui était à la base de l'offre. Un rapport technique que le député Alfredo fait. Là, on a fait acquisition bien par la douane, lui-même tout, l'a fait un rapport technique pour louer par des inspecteurs qui ont été assignés à cette fin. Rapport technique nous fait, ce n'est pas nous qui décidons de prendre n'importe qui. Monde. La loi dit qui est-ce qu'on va prendre. Or, l'on a regardé l'offre du député Alfredo de Féa. Et l'argent on a dit la vache là, c'est-à-dire, ou d'après l'on a dit, c'est pas même bagaille. Parce que l'ONA lui-même, son institution financière, qui a un caractère financier,
caractère administratif et économique. Donc, les lacs fait transaction, il fait transaction dans le but pour faire profit. C'est pas parce qu'on a bien 150 000 dollars et puis il va le boire 150 000 dollars. Donc, l'a acheté bien en amont en fonction de lui-même, de sa marché à dit, est-ce que lui-même n'a qu'à faire bénéfice sous lui. Donc, offre que nous te faisons, c'est pas offre ça, on te répond, nous, et puis petit qui offre là. Et comme Alfredo Junior était dans une situation où il avait besoin de l'argent, donc il a accepté offre Luna de faire là. Maintenant, toute la transaction a été faite. Toutes conditions ont été réunies. Et il y a des documents qui peuvent justifier ça. Par exemple, à la direction des affaires judiciaires, qui était par avis technique, à un certain moment de la durée, et direction affaires judiciaires a dit, bon, il y a des problèmes. Et finalement, après, il y a un avis technique, il dit, la vente peut être consentie. Maintenant, aux dernières nouvelles, nous avons appris, parce que au cours de la transaction, parce que le bien dont il est question n'est plus dans les patrimoines personnels du député Alfredo Junior. Il n'est pas dans le patrimoine encore. C'est aux dernières nouvelles, on avait appris que notaire qui a finalisé la transaction, il est mort. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'entente entrée dans la possession bien. Et c'est la raison pour laquelle, dans la conclusion de l'UNCC, qui s'est demandé? Il dit, il a demandé pour qu'on a entré en possession bien. Mais je dois souligner à votre attention, il n'y a aucun obstacle qui posait de la part du député Alfredo pour que l'ONA puisse rentrer en possession de son bien. Et c'est parce que le déroulement de la procédure, l'itérité, du fait que notaire en cours de route, qu'il mourit. Donc ce bien est sorti du patrimoine du député Alfredo Junior. Il n'est pas dans le patrimoine. L'ONA peut disposer de son bien parce que l'acheter, l'ibalcom, ça pas dans le patrimoine non encore. Maintenant, si, c'est-à-dire c'est une question de cohérence, de logique et de bon sens, si l'ONA, si dans la conclusion de l'UNCC dit l'ONA, lui recommande que l'ONA pour le prendre bien, c'est que la vente n'était pas illicite. Ce qu'il fallait, c'est justement ce qu'il fallait dire à l'ONA, donc prendre possession de votre bien. Donc il n'y a pas de corruption là-dessus. Il n'y a pas de détournement à la loi. Donc il n'y a pas d'infraction donc, à la loi. Cependant, pour terminer, je voudrais signaler deux choses. C'est une question, la corruption, c'est une question pénale. Et tout le monde est pour la lutte contre la corruption en Haïti. Parce que la lutte contre la corruption, ça hypothèque le pays. Ça hypothèque l'avenir du pays. Ça hypothèque les futurs des générations. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption doit être menée de manière générale, non pas de manière sélective. Parce que c'est corruption, je vous dis, qui fait que pas gain l'école, pas gain université, pas gain route, pas gain d'eau potable, et c'est la corruption qui fait aujourd'hui que tous les jeunes partent dans toutes les directions à la recherche du bien vivrier. Donc la lutte contre la corruption doit être le combat de tous les citoyens, et ça doit être un combat citoyen, la lutte contre la corruption. Mais cependant, il y a deux choses à éviter. Premièrement, loi prend loi qui crée l'ULCCA. Il dit l'enquête que l'ULCCA conduit doit être conduite ou faite avec la confidentialité. Dans l'opinion publique, lorsque quelqu'un est indexé par un rapport, il est déjà coupable. C'est-à-dire après tout côté, mais n'est-ce qu'il voulait détourner l'argent de l'État. Donc, il ne faut pas détourner la loi à des fins politiques et politiciennes. Je regrette que dans le rapport ULCCA, donc une institution aussi valable, parce qu'il fait partie de l'institution de contrôle en Haïti,
à côté de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, ou bien UCREF, ou bien ULCC, ce sont des institutions de contrôle qui sont établies par la loi et par la Constitution. Mais cependant, ça que fait nous venons dans la conférence de presse là, c'est parce que le rapport l'hypothèse préjudice avec député Alfredo parce que ça n'a pas respecté deux principes dans le procès pénal moderne. Le premier principe, c'est celui de la présomption d'innocence. Or, pour tout le monde, parce que le rapport a été acheminé au paquet, c'est comme si les gens qui sont indexés dans les rapports, tout coupable. Alors que la loi qui crée, j'ai dit, enquête là doit mener avec la confidentialité. Ça veut dire pour les communs des mortels, ça veut dire pour les simples citoyens ordinaires, tout le monde qui est indexé dans le rapport est coupable. Donc il y a un premier principe en droit, surtout dans les droits, dans les procès pénal moderne, c'est le principe de la présomption d'innocence. Deuxième principe que le rapport a, il y a une violation là-dedans, qui sont principes fondamentaux, qui fait partie du principe même de l'état de droit. Parce que le principe de la présomption d'innocence fait d'abord partie du principe témoin de l'état de droit. Deuxième principe qui est rapport à l'Ibagal, c'est le principe de la réputation de la personne mise en cause dans ce rapport. C'est-à-dire, ou porter atteinte à la réputation. L'on fait ça, les ULCC fait ça. Ça veut dire réputation mounan. Donc ça fait, lorsqu'on personnel, n'importe qui personne, personnalité politique, là. Mais ça prend des temps, hein. Ça prend des années pour construire une réputation, pour faire un nom dans la société haïtienne. Il y a parti un bon moment, et puis on enquête des ULCC, met fin à votre réputation construite pendant des années, pendant des décennies. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du principe qui guidait le procès pénal moderne, ils mettaient accent sur ça. Premier accent, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et deuxième principe là, c'est le principe de la réputation de la personne ou de l'accusé. Donc, ça veut dire que c'est un dommage très grave que le rapport ULCC a porté à réputation du député Alfredo. Moi-même, comme avocat, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes pour la lutte contre la corruption. Mais cette lutte doit être abordée avec sérieux, avec le plus grand sérieux. Parce qu'il s'agit aussi des droits des personnes qui sont indexées. Et si lutte l'a pas menée de manière sérieuse et l'a faite de manière sélective, ça va amener la déconsidération générale des ULCC. Parce qu'une institution de contrôle, les citoyens doivent investir la plus grande confiance dans l'institution de contrôle. Donc, s'il y a écrit n'importe quoi, et s'il y a dit n'importe quoi, ça va arriver dans une situation que le que rapport qu'il y a mis en circulation, il n'y a pas de crédibilité, citoyens n'ont pas de confiance dans eux-mêmes. Cette conférence, je le rappelle, n'a pas pour but d'attaquer l'ULCC. Nous n'avons pas de loi comme républicains et comme démocrates, nous ne sommes pas là pour attaquer les institutions qui sont établies par la Constitution et les lois de la République. Mais toutefois, nous devons la Jodia pour nous relever quelques failles qui gagne un rapport et on va demander à ULCC de reprendre donc les faits donc qui est mal présenté dans le rapport. Or, comme la Constitution dans son article 27, il n'y a pas de droit pour nous poursuivre n'importe qui fonctionnaire de l'État qu'on connaît qui enfreint de loi et à ce moment-là, de pouvoir porter plainte devant qui des droits. Donc la démarche qui va être suivie, c'est qu'on va écrire une lettre au directeur de l'ULCC pour lui demander de reconsidérer ses faits parce que ces faits ne sont pas exacts, ils sont loin d'être la vérité. Merci beaucoup. Ça veut dire si la justice nous va connaître. Il y a une date 7 février, pas oublier que bon accord de consensus que le gouvernement prend avec plusieurs institutions, plusieurs partis politiques qui étaient signés.
21 décembre. Donc, date ça, Madame Maniga, qui dans HCT, qui est ancien professeur de droit constitutionnel dans l'Université Kiskeya, lui dit que date ça, fatidique, elle va arriver. Parce que son accord qui est lié, il faut que nous fassions politique là sur la base de la moralité. La communauté internationale est concernée par l'accord ça, qui s'y est entre le gouvernement, les gens de la société civile et les partis politiques. Ils ont participé dans l'accord là. Donc, si date là privée pour que 7 février, on n'a pas besoin de lever dossier ou tendre porte-parole gouvernement, dit comme ça, rapport ULCC, comment c'est sorti tout à l'heure. Mais pas de monde qui a fait peur. Donc, une bonne réponse non, parce qu'on connaît porte-parole gouvernement, il dit clairement que rapport ULCC, c'est pour faire monde courir, monde fermer bouche, parce que faut Premier ministre à vie. Donc, Jean-Claude Duvalier, François Duvalier, tout est pris en constitution, il est marqué à vie. Côté yo. Donc, quel que soit le monde, je pense que si le Premier ministre m'a pas le conseil, là, chef cabinet là surtout, si vous avez besoin du Premier ministre, arrêtez, il a fait ville dans le pouvoir, débloquer route Matissan pour que vous circuler. Gravine, les gens qui sont sortis à Foufeuille, qui ont dormi dans l'école, faites-les sortir. Ok? Les gens qui sont sortis à Foufeuille, faites-les dormir dans l'école, faites-les rentrer à la caille. Les gens qui sont Jacques, qui quittent la caille, qui sont dans la zone agricole, bandits, vite l'homme, mettez-les dehors, faites-les rentrer à la caille. La population demande justice, elle demande paix, elle demande sécurité, elle demande persécuté de l'adversaire politique. Mais la seule façon de prendre le pouvoir, c'est dans l'élection que malé, mal mettez botte dans pied, Jean-Président Jovenel Moïse, t'es fait. Donc nous assassiner, nous prenons le pouvoir, nous t'aimer, mais pas persécuter l'adversaire politique sous base de persécution, nous pensons que nous avons fait mon courir. Moi, question. Alors, moi, c'est Laurie, je travaille pour Radio Kiskeya. Merci. C'est clair que le ULCC était à faire de prospection sur propriété dans le cadre d'enquête. Mette Keskov et puis gardien, il me dit mais il y a que le chef qui sont propriétaire. Mais je descends, les presque arrivé, il dit il y a jacket qui sont policiers marqués ULCC. Donc je vais aller, je vais quitter le travail. J'ai appelé le directeur parce que je dis que j'ai un excellent rapport avec lui. Et en tant que monde qui concerne nos enquêtes, j'ai toujours été. Mais le directeur a dit et que la paquette sous dossier propriétaire, si il y a surfacturation, c'est là qu'il y a un problème. Depuis qu'il y a surfacturation, pas de problème. Ok, directeur, mène enquête. Donc, tout ça que j'ai dit, toute infraction qui corollaire avec faut gagner sur facturation. Depuis ma gagne sur facturation, m'a vendu bien qui coûtait 100 gouttes, valeur c'est 100 gouttes, pour acheter la 300 gouttes, là c'est sur facturation. Depuis ma gagne sur facturation, non, votre nom, pas gagne aucune autre infraction. D'ailleurs, directeur, l'ULCC, pas directeur. L'institution, ULCC, enquêteur, pas gagne nul droit pour investiguer sous compte, puisque pas de surfacturation. Ok? Je peux disposer de mon argent comme bon me semble. Ok? Donc, pas de explication pour moi, ni à Jacques, ni à Pierre, sous deux transactions que je fais qui sont nos transactions régulières qui respectent l'homme. Et pour finir, au niveau de l'ONA, ce n'est pas seulement le directeur général là, qui travaille sous l'OCIA, il y a un administrateur. Madame Clara Daligrand-Joseph, elle est l'épouse du directeur de l'ULCC. Donc, soit menons enquête que madame li signé sous transaction qui fait là. Faut qu'on tende le tout dans l'ULCC. Soit estimé que, parce que m'paroué non, madame ni épouse monsieur Joseph, qui c'est Clara Daligrand-Joseph, dans le rapport là. Donc, il y a même responsabilité dans le cadre de dépenses que y a fait pour l'ONA. OK? Donc, question de partisanerie, de bail clanique, baladon. Donc, ce n'est pas parce que j'ai un rapport, je ne parle avec, quel que soit X, que je suis bien avec un juge ou bien un commissaire de police, mon frère de la loi, c'est arrêté, mettre-moi dans le programme. Donc, pas que ça.
c'est pas parce que je cherche protection dans mes quiconque. Je suis législateur, je fais la loi pour appliquer, pour réguler en société. Donc, je suis le dernier monde qui peut enfreindre la loi. Et si je viole la loi, je dois une peine capitale. Parce que je connais ça que la loi est. Merci. Dans 4 votes, le vote est presque terminé à 85% ou 90%. Processus. Il arrive que le notaire dépeigne, Daniel dépeigne, lui fait une notoriété, son notaire d'ailleurs. Public, li fait un AVC, li décédé dans fin transaction, presque fini. Donc, qui ça la loi dit? La loi dit, les notaires et li décédé, famille, yon pour choisir moun livlé, mais qui respecte critères légaux pour que yon baye étude là. Donc, madame, l'épouse du notaire, Daniel Depey, et ses enfants, donc ses héritiers, déjà écrit ministère de la justice. Ok, parce que dans le cadre de dossier, ça, on est obligé de faire démarche au niveau famille, notaire là. Il a déjà écrit ministère de la justice pour que ministère de la justice transfère le dossier dans le palais et commission notaire, nouveau notaire, voilà, nommé. Donc c'est président de la République, c'est dans phase que dossier au niveau ministère de la justice pour désigner un nouveau notaire qui est responsable, qui prend le responsable étude notaire là, qui décide de suite en AVC que le mourir. Donc, même notaire, là, le notaire, c'est un acteur clé. Donc, nos rapports comme ça, si on investigue, grand pile transaction faite, c'est le compte notaire. Là. Donc, il faut qu'on des notaires. Là. Donc, rapport à s'il a rétabli la sincérité, la vérité, rétablir la vérité, il a ouais, que notaire a mouru, il a dit ça dans le rapport pour dire qu'au cours de transaction, ça, notaire là, il est décédé. Il a cherché cause, décès à tout. Et bien précisé, parce que je me dis, notaire a mouru, il fait un AVC, son notaire public, donc toute famille existait, il a vécu en Haïti. Merci.